L'enquête sur la mort d'Aline touche à sa fin dans Un si grand soleil, la série quotidienne de France 2. L'occasion de demander à Emma Colberti, Eve, et Moïse Santamaria, Manu, s'ils s'entendent bien. Dans Un si grand soleil sur France 2, Eve, Emma Colberti gênée parfois par un détail sur le tournage de la série de France 2, et Virgile, Fred Bianconi, ont été sauvés in extremis par Manu, Moïse Santamaria, médaillé d'argent dans une compétition de jiu-jitsu brésilien. Dans l'épisode de ce mercredi 3 mai, le flic reproche à Eve et Virgile d'avoir pris des risques considérables. Les tensions persistent entre l'ex-professeur et Manu. Et entre Emma Colberti et Moïse Santamaria, comment cela se passe? Un si grand soleil, Emma Colberti a des exigences, gêne et aussi cela se passe très bien entre nous. Si est-il une super partenaire? Elle est très présente, très à l'écoute. Elle a des exigences, gêne et aussi. Je suis très content de travailler avec elle. Si est-il un vrai plaisir, nous a répondu Moïse Santamaria. On avait deux manières d'aborder les choses et finalement, on s'est accordé. Je ne connais pas le texte sur le bout des doigts, cela peut déstabiliser des partenaires. Jamie l'inattendu, les accidents. Je suis toujours en recherche. Je ne fais pas toutes les prises de la même manière. Je suis assez instinctif à Un si grand soleil, une façon de travailler différente entre Emma Colberti et Moïse Santamaria. Emma Colberti nous a confirmé ses propos, on s'entend hyper bien. Si est-il un super partenaire de jeu? Il y a énormément de bienveillance entre nous mais on n'a pas vraiment la même façon de travailler. Il vient de l'Actor Studio. Il a une formation dans la spontanéité, tout ce qui est organique, le moment présent et moi, en revanche, j'ai une formation plus classique. Je viens de l'école de théâtre, assez rigoureuse et conservatoire. Moïse trouve que je suis plus scolaire. Il a une chance inouïe, il a une mémoire photographique. Il voit une page, il la connaît. Il ne veut pas apprendre par cœur le texte pour avoir une sorte de liberté et ne pas s'enfermer dans le texte alors que moi, j'ai besoin de l'appui du texte pour me sentir libre. On a beaucoup de discussions sur ce sujet. Je l'ai suivi sur sa méthode de travail. Cela m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a donné plein de petits conseils. Emma Colberti trouve qu'elle ressemble finalement beaucoup à Moïse Santamaria. On a un peu le même tempérament. On est des personnes très volcaniques, très impulsives. J'ai du sang méditerranéen, lui aussi, nous a expliqué la comédienne. Love just happened.